Merci beaucoup, Nicole. Alors, donc, on va démarrer donc, notre soirée avec la représentante de la microbiologie. Donc, on a le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous donc, Dr. Haneshi, qui va nous parler donc, de cette belle spécialité, de votre cursus, le nombre d'années, stages obligatoires, stages optionnels, formation, avantages, inconvénients. Et voilà, si je dois choisir microbio, pourquoi? Voilà. À vous la parole, Hélène. D'accord. C'est à moi l'honneur, donc, docteur Sonia, de représenter aujourd'hui donc la spécialité de microbiologie. Je souhaite tout d'abord la bienvenue à nos futurs spécialistes. Donc, la microbiologie, c'est parmi les anciennes spécialités en fondamentale. C'est aussi la plus prisée parmi les spécialités. En effet, donc, vu comme vous le connaissez, donc, la grande évolutivité du monde bactérien et virologique. Donc, la spécialité de microbiologie reste toujours donc à la page. Donc, c'est pour cette raison que j'encourage vivement les futurs résidents et notamment les biologistes de choisir cette spécialité. Donc, vous n'allez pas chômer, certes, en biologie, mais en ce qui concerne la microbiologie, encore plus vu que c'est donc vous aurez toujours donc besoin de collaborer avec les cliniciens, avec les chirurgiens, avec les médecins, pour adapter donc une antibiothérapie, pour donc identifier un micro-organisme responsable d'une infection. Donc, sincèrement, je trouve pas d'inconvénient pour la biologie, pour ma spécialité. Donc, la formation s'étale sur 4 ans, avec deux années obligatoires en bactériologie, donc dans un semestre en virologie. Et pour le reste, ça sera donc des stages optionnel, mais obligatoire en même temps, si on peut dire ça, en hématobio, en biochimie, en immuno et en parasitologie. Donc la formation, elle est certes donc comment dirais-je? Donc il y a le collège des spécialités donc en infectiologie et parasitologie et microbiologie qui assurera donc une formation théorique et sur le plan pratique, ça reste toujours donc ce sont les terrains de stage. Donc, pour expliquer aux futurs résidents, c'est une spécialité qui est partagée entre les médecins et les pharmaciens. Donc, il y a des stages que juste les médecins qui font cette spécialité, donc dans certains hôpitaux, et dans d'autres hôpitaux, malheureusement, on n'aura pas accès vu que ce sont des pharmaciens qui tiennent donc les services. Donc, pour donc tout ce qui est volet garde et tout, donc il n'y a pas donc ce volet garde en biologie. Juste, ça sera donc plutôt donc de la recherche, donc des articles peut-être. J'encourage vivement donc les futurs résidents à faire donc des revues systématiques de la littérature, donc parce que c'est fondamental et vous avez toujours besoin donc de lire, d'actualiser vos connaissances. Donc, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Est-ce qu'il y a une formation complémentaire, à part les terrains de stage? Donc, il y a le collège de microbiologie, de biologie, donc microbiologie, donc et parasito et infectieux. Il y a un CEC, un certificat d'études complémentaires pour la biologie, un CEC aussi pour la qualitologie, donc que vous pouvez donc perfectionner vos connaissances. Donc, c'est tout. C'est ça, donc comme complémentaire. C'est essentiellement donc le travail au sein des services hospitaliers, hospitalo-universitaires surtout. D'accord. Les terrains de stage, où est-ce qu'ils sont répartis maintenant? Sur le Donc à Tunis, Tunis, Kadesh terrain ou fin RFM autre terrain? les terrains, c'est à Tunis, à Sousse, à Sfax et à Monastir, c'est tout. Donc, en ce qui concerne donc les stages à Tunis, il y a l'hôpital d'enfants pour tout ce qui est pathologie donc de l'enfant. Il y a donc le centre de greffe pour tout ce qui est immunodéprimé. Il y a aussi l'hôpital Azraf Mena pour les immunodéprimés et la gynécologie. Donc, c'est la microbiologie et bien évidemment l'hôpital Charles-Nicolle. Donc, c'est la référence en matière de résistance bactérienne et aussi donc en termes de qualité de stage de virologie. Donc, pour la CTGB, c'est un centre polyvalent. Donc,
Il y a des postes de microbiologie, mais il y a aussi donc d'autres, je lâche, est-ce qu'il y a d'autres postes ou pas, mais c'est essentiellement de la bactériologie. Donc, pour le stage à l'hôpital, à l'Institut Pasteur, c'est un stage de virologie aussi. Alors, est-ce que quelqu'un peut se spécialiser en virologie tout court? Voilà, il est obligé de Ah, faire les deux à part voilà, égale. en cours de négociation, la spécialité en virologie, puisque les pharmaciens donc disposent de cette option de virologie, donc il y a des négociations avec donc le ministère pour que la virologie s'individualise. D'accord. Mais la virologie et la bactériologie, c'est de la microbiologie et ça fait donc partie du cursus. Donc, Hatambad, s'il y a une individualisation, donc ça sera donc des terrains pour les deux. Hein. On ne peut pas les dissocier. D'accord, très bien. Et je pense que ça là, certains actes spécialisés, voilà, la recherche maujouda, dans le microbiome. Mais bien sûr. La recherche moujoude, bien évidemment. Donc, la biologie, donc, comme vous connaissez, donc, enfin, beaucoup de recherches, mais plus exactement, la microbiologie, il y a encore de la recherche. D'accord. Mais c'est pas Donc, mal l'option de la stage à COVID, donc, l'étranger. nous a révélé l'importance de la microbiologie, je suppose. Et voilà, le Oui. COVID, en fait, les résidents, ils ont pratiqué, je pense, sur la période de l'Akhrani, il y a plus de PCR qu'avant, chacun. Ah oui, Ah donc ben, ils c'était manipulent un peu facilement. Donc. un craint à certains laboratoires. Je pense que le col, ça y est, ils ont acquis la main à tout ce qui Oui, est biomoléculaire, donc hein. la plateforme biomoléculaire, donc c'est tous les terrains de stage qui disposent de ça. Donc l'accès, il est vraiment facilité pour les résidents. Donc le nombre étant réduit de résidents, donc la formation, elle est vraiment. Le chocolat est excellente, mais du moins. Vous n'allez pas chômer. D'accord. Un comme nouveau appareil, Tral Fischer Nicole, c'est ça? Un Le séquenceur, voilà, Haja séquenceur. Fam, nouvelle qui a de mort, mais pas ma Haja updated d'Achlet, c'est la biologie, ma génétique. C'est ma Wallah. nouveauté. Wallah, il y a une femme à un séquenceur. Cherdou. Donc, mais pour donc tout ce qui est mané pour les résidents, donc on va pas aller jusqu'au séquençage, mané à l'arrière, mané. Ce sont les techniques usuelles certainement, mais là on bat de la PCR. D'accord. Voilà. Kadesh, ça m'a une question. Combien de stages optionnels? Donc il y a optionnel, c'est l'hématobio, la biochimie, la parasito, il y a l'immuno ou bien la pathologie infectieuse, bah, donc quatre au total. Mais ce sont D'accord. obligatoires, il faut y passer par ces Et terrains de stage. ouais, en fait, je pense que vous allez voir que par rapport à toutes les spécialités de biologie qui vont défiler les unes aux autres. En fait, qui t'artare biologie, tu fais option. Tu as option hémato, option microbio, option parasito. Alors, l'option qui t'artare, c'est amine. Et après, les autres stages, tu t'amènes à faire amine complémentaire. Ça va être donc une réponse valide à toutes les spécialités. Alors, là, il y a une autre question. Pour ceux qui vont choisir la microbio en région prioritaire, Oui. est-ce qu'il y a les moyens, est-ce que leur formation, elle va être. معناتها اقل من صحابهم اليوم اختاروا على زون معناتها على السيري الاولانيه ولا اسكو فما اون ديفيرونس او نيفو دو لا فورماسيون اي Mais. اسكو زون اكسي او تكنيك Mais. سبيسياليزي ما بي سي ار والكل Donc, s'ils vont donc exercer dans un hôpital régional, Menage le plateau technique, certes, à calme le plateau technique, les majoutes les hôpitaux universitaires. D'accord? la question Très. ملول كي باش تختار وانت كي اختار كي تعمل الشوا نتاعك معناتها Oui. تتعدى في الزون بريوريتير معناتها عندك ان Oui. انجاجمون بعد 4 سنين اسكو Ah oui, الفورماسيون بتاعك ce sera la même formation. Les amis, nous, les résidents, c'est la même formation. Mais juste, une fois vous allez exercer, c'est à vous donc de demander d'améliorer les conditions, les plateformes, donc la formation des techniciens. C'est à vous qu'incombe donc la responsabilité d'améliorer les conditions, comme vous le savez. Donc, mais en côté formation, c'est exactement la même chose. Très bien. Ou avec, on m'a dit, mais ce qui les inquiète, je crois que je suis en zone prioritaire,
je suis défavorisée pour la formation. Donc, Non, message là. on encourage, donc, dans la perspective de coopérer. بالعكس معناها كان سبيطار جندوبه يولي معناها معانا يبعث لك دي سوش ملتي ريزيستانت ولا دونك سي بلوتو كلكو سي كلكو شوز دانريشيسانت اي دانتيريسانت معناها دو كوبيري من بعد افيك اون زون دانتيريور افيك اون زون دو بريوريتير Très bien. دونك اش سوي اكسيسيبل انا شفت الكيستيون كيستيون بيرتينانت دونك وي سي تري اكسيسيبل لترانجي اوسي دونك سني دونك وي بوست اختاروا في ال des FMS, Z, donc c'est faisable. Donc, vous n'allez pas chômer. Il y a du pain sur la planche. C'est ça. Je vous encourage vivement donc, à suivre surtout donc, tout ce qui est formation, tout ce qui est CEC, les EPU, les enseignements post-universitaires. Ce n'est pas ça. Mané. C'est les EPU de MTR, comme tu as le microbio, est-ce que les résidents ou juste ils assistent? Ils assistent les deux. Ils sont actifs, ils font une pédagogie active et il y a donc des ateliers. Très bien. Mais est-ce que, a priori, donc, je ne vois pas d'autres questions? Sinon, bah, d'après, vous pouvez intervenir donc, à tout moment. Merci, merci infiniment, Irène. Merci. Alors, on passe. Merci. Alors, on passe à la deuxième spécialité, donc la biochimie. Donc, Marana, docteur Emna Talbi, chef service laboratoire polyvalent, donc spécialité biochimie, et l'Institut de nutrition. Elle va prendre donc ses fonctions. Donc, Emna, vous allez nous parler de la biochimie. Oui, bonsoir, Sonia. Merci. Yatik Saha. Donc, Marie, les résidents de l'école, les futurs spécialistes. Donc, j'ai l'honneur de représenter donc la spécialité biochimie, option biologie médicale, option biochimie. Donc, biologie médicale, option hémato, option biochimie, microbio, etc., parasito. Pour la biochimie, c'est une belle spécialité, passionnante. Ça va comme aller à Barça. Plus on terre quand les résidents rentrent comme 4 semestres obligatoires fait le biochimie. On va dire qu'on rentre comme le semestre optionnel donc de démato, de microbio, de parasito. On rentre comme un semestre choix optionnel, fi immuno, fi des spécialités résumées, fi aussi la biochimie, fi un stage clinique endocrino. En fait, le semestre optionnel, ça, en tout moment, qu'est-ce que je trame? En tout les objectifs de formation en terre, comme qu'en, chassis, les 4 semestres, ma créo, je fais biochimie, là, je me dis de biochimie, qu'en chassis, mais c'est que je sois, il y a des objectifs non atteints, fait la microbiologie, fait les 6 mois, t'as le complémentaire, là, je me dis, tu vois, il y a un grand microbio, ou elle a fait l'hémato, ou elle a fait le parasito, en tout, mais t'as, au final, je trouve une formation terre, qu'est-ce au bout de la formation, comme sur le plan théorique, comme les connaissances, donc, dit ma mise à jour, dit ma chatte à ma dénouté, fait les techniques, fait les marqueurs, fait les automates aussi, la gestion, le côté gestion, les achats, ou je dois lire ma formation théorique, thème là, ou pratique aussi, ou tout coup, au bout de la formation, je m'en kiff, comme, les horizons de colmatodi, donc, le labo privé MTAC, laboratoire d'analyse médicale, le cursus hospitalo-universitaire Marbe Bicom, l'école colmatodi, vous êtes la bienvenue. La carrière hospitalo-universitaire est vraiment passionnante en biologie, en biochimie surtout. Jean-Hervé Zeda pour les stages à l'étranger, ou l'Arbe Zitram, on va certes. Les spécialités biologiques, moi, je suis assez noirdine, quand je te rejoue. Le quota à calme, mais les spécialités, pas sur les spécialités, fait un quota axel. À ma taille, tout est possible. Déjà, on a fait les 3 semestres, les tardés. Chaque semestre, on a, tu vois, là, bon, résident, tout le monde,
Donc, كل semestre, ça m'a résidente منهم خرجت و elles sont bien accueillies غادي وفرحانين بيهم في في الكوتي معناتها théorique ou pratique نتاعهم تبارك الله عليهم. شنو اخر زعما تحبوا تعرفوا؟ C'est une très belle spécialité, نحبها برشا ونشجعكم عليها. Voilà. C'est une formation à parler. Ah, voilà. Je parle des spécialités de la formation, en fait. Maintenant, l'équipe start-up ou biologie, bien sûr, c'est différent de la clinique, c'est différent des spécialités médicales, des spécialités chirurgicales. Mais je vous assure qu'elle est déjà très bien faite. Ou très bien qui est très bien. Les seniors نتاع الكل لهيم بيك وباش يحبوك فيها باش يعلموك ومعناتها نحن الكلنا ديما à votre disposition معناها في كل شيء باش تكونوا باش تتعلموا بيان سور عندكم لو كوتي تيوريك على خاطر ما تعرفوش سي با لا بيوشيمي راه ما تتفدعوش سي با لا بيوشيمي ستركتورال كم تاع 2A و 2B وكل شيء مش ياسر هذيك سي اكثر منه بيوشيمي كلينيك côté technique, bien sûr, les techniques de dosage, ou ça m'a le côté de la qualité, les hauts très développés. Et donc, je vais vous dire, vous allez être assisté au bout de la formation, franchement, l'école, comme toujours, les objectifs sont comme atteints, il n'y a pas de souci, côté formation. Même pour les choses liées à moi, je ne suis pas capable de faire ça, mais ça ne m'est pas capable de faire ça. Je suis moi qui diacre maintenant, en fait. Est-ce que femme a des formations qui t'a mal aujourd'hui? Il y a les formations, femme, ça m'a le collège de biochimie. C'est-à-dire? Donc, il y a des formations théoriques. Le rythme des cours qui fait. Quel mara, en fait, quel ram qui fait, je serai très bon. Le ram, on a le programme, on bat le fil. Il y a des formations théoriques partagées. Entre les seniors en présent, surtout tout ce qui est analytique. Les nouveaux résidents, donc c'est plutôt les seniors qui présentent. On va dire que tout ce qui est biologie clinique, donc les cours, en fait, ils vont, j'ai un néphro, diabète, il y a une grande idée pour valider les résultats et pour interpréter ou pour collaborer avec les cliniciens. Les paramètres les indications, les variations, interpréter les tests, les épreuves. Donc, cette théorie a pas mal de choses à lire. Ou un atelier de clinique et tout ça, c'est une formation. Sinon, on a une formation avec le CEC de biologie. Donc, tu as déjà le module de biochimie, il est en cours. Ou voilà, ou CEC qualité. Et donc, les deux CEC, la faculté. D'accord. Est-ce que femme a des services spécialisés ou elle a des particularités? Oui, c'est vrai. Les terrains de stage, en fait, Mangoudjin, Fiton, on a pas mal. Donc, on a l'hôpital Arabta. L'hôpital Arabta a une particularité, bien sûr. Elle est un secteur spécialisé. C'est le laboratoire de référence d'études et de diagnostic de maladies héréditaires du métabolisme. C'est très passionnant côté métabolique. Il se sous-spécialise. Donc, je t'arrive en bas. Fille des techniques spécialisées, bien sûr, je t'arrange à le contact avec les cliniciens, collaboration avec Birama Binetna, les généticiens, donc les neurologues, les pédiatres, ou Zeda Kif, t'arrange le contact avec les patients Chijiouk, ou je t'arrange l'interrogatoire, ou le famille Mterrand, ou vous allez collaborer, il y a un côté irrésactuel avec les cliniques. Le laboratoire Zeda Win ça m'a spécialisé mais le laboratoire biochimie Charnicol qui la biochimie et donc je dirais que Charnicol c'est des labos de biochimie donc biochimie ou معاهم un côté spécialisé fiche Charnicol c'est le secteur études de maladies lithiasiques donc qui c'est une chose spécialisée qui est très passionnante
ويرجع لك الملاد يجيك وتعمل له اون كونسلتاسيون وتفسر له الانتيري نتاع لو بيلون دو ليتياز نتاعو لاناليز دو كالكول نتاعو فوالا وعندك زاد كيف كيف كولابوراسيون افيك لي نيفرولوج لي بيدياتر اي لي جيرولوج برينسيبالمون لي تيران الاخرين شكون اخر فيه سبيسياليزي هذوما الزوز اكثر فيهم سبيسياليزي سينون الاخرين سي دو لا بيوشيمي بيوشيمي و فيهم شويه مثلا دي كوتي ديفلوبي مثلا هرمونيو اكثر في حاجات روتين اكثر في دي سيرفيس فما لانستيتيو سال حازاي سي ان سيرفيس دو بيوشيمي سي ان لابو بوليفالون بلوتو لانستيتيو نوتريسيون سي ان لابو بوليفالون لانستيتيو دو نورو سي ان لابو بوليفالون ça se nomme Razi, l'hôpital Razi, kif polyvalent. L'Institut Pasteur, là c'est un labo de biochimie où fait barche spécialisée hormonologie. Des tests li mouche l'arbre de coltar malon. Voilà, ils ont les terrains de stage fi Tunis. Fait sous ça, ça m'a deux terrains de stage. Fait Farhat Hached ou fi Zahloul. Ou fait Sfers, kif deux terrains de stage. Fait donc. Hedi Sheker ou deux terrains de stage. Hedi Sheker. Voilà. Fatouma Bourguiba. Fatouma Bourguiba, je n'ai pas un terrain de stage chez moi. Fatouma Bourguiba, c'est mon style, non? D'accord, merci. Alors, pour la mienne, quand tu as des questions. C'est une fameuse question. Alors, est-ce que le travail avec les scientifiques est ouvert pour la recherche? Oui, bien évidemment. Donc, ça m'a des services. Oui, une firme, des unités, effectivement. Avec je habite Narki, là, la recherche aussi, tout le côté qui est très important, c'est le biochimie. Donc, on a Barcha des labos, firme des unités, attachées, ils ont des unités de recherche. Ou ta ma ta firme des scientifiques qui m'a fait l'apte, qui m'a fait l'institut de neuro fait la vie fait l'institut de Salhazes ou fait la fille sous ça normalement fait faire ça donc vous marhaba bikom lel bibel mahdouda lel recherche ou le col ça le travail scientifique et d'ailleurs ma vous serez impliqué. Une partie de votre formation, c'est peut-être le plan de recherche ou la production scientifique ou c'est un nouveau sujet. Très bien, merci. Il y a une question, elle est encore là, je pense. Alors, est-ce qu'on peut être référent en infectio dans un hôpital en étant microbiologiste? Oui, mais à condition de suivre le CEC de chimiothérapie anti-infectieuse, normalement, à Sousse. Hein. D'accord. Pour la prescription, sincèrement, pour la prescription, donc les microbiologistes ne font pas de prescription. Mais en termes de résistance, on bat pour adapter l'antibiothérapie. Il faut voir donc l'infection, le site de l'infection, les contre-indications, qu'une femme a insuffisance rénale, tout ce qui est donc les conditions cliniques. Donc c'est pour cette raison qu'il faut avoir une formation complémentaire en termes de clinique, Mané. Et ça, ce n'est possible qu'après avoir suivi donc un cursus de CEC qui m'a raconté la chimiothérapie anti-infectieuse et l'enjeu de fissure, ça, Mané. D'accord, ça marche. Merci. Ouais. Merci, Hélène. Merci, Emna. Donc, je pense qu'on a... Merci, Marc-Bébé, bien sur le biochimie. D'accord. في البريفي يظهر لي لابيوشيمي اكثر حاجه تعاون هي لابيوشيمي هكا مون افي انا سي فري انا صحيت الدكتور حنين الحقيقه معني الفوت سانسير معني لي ريزيدون ان فيت اللي تعدوا عندنا الكل راهو معناتها اللي جاوا للكارير هوسبيتال فرحاني بها واللي خرجوا في البريفي يلقاو رواحهم اليف خاطر اكثر الخدمه في لابيشيمي اي دايوغ انا توا معناتها يكتبوني صحابي اللي معناتها ابخي سو سون فريمون معناتها ما يقعدوا يكتبوني حاجات اي هما هذوك لا ميكروبيو اللي بريزي تظهر صعيبه من بعد راهو في معناها في اون بريفي راهو سي بلوتو لابيوشيمي الهرمونو دونك سي سورتو سا معناها سورتو اما بون اللي يحب ميكروبيو بعد في الكلينيك زاده موجوده بالكدا ينجم يخدم هاني قلت معناها لو ترافاي اي ما موجود موجود
Voilà. Ben, merci. مرحبا بهم يا فلان سبيسياليتي بيولوجيك اللي يحبوا يختاروا مرحبا بيه. Ok, donc on va enchaîner avec la troisième spécialité. Donc ça va être la parasito. Le docteur Latif Mtiba, donc assistante à l'hôpital militaire. Merci, professeur Sonia Mahjoub, pour l'invitation. J'ai l'honneur de représenter ma spécialité qui est la parasito. Donc, c'est une spécialité qui est toujours d'actualité, qui traite des maladies fréquentes telles que la toxoplasmose, les mycoses, aussi bien superficielles que profondes, qui traite des maladies endémiques en Tunisie telles que les leishmanioses, des maladies d'importation telles que le palu, et on voit de plus en plus des cas de palu d'importation. Donc c'est une spécialité où on ne perd pas le contact avec le patient, on a toujours des malades à interroger, à faire les prélèvements de leishmaniose, de palu, les prélèvements mycologiques dans le laboratoire. En ce qui concerne donc le cursus de Residana pour la spécialité biologie médicale option parasito, nous avons 4 semestres obligatoires de parasitologie et 4 semestres optionnels, 1 semestre de microbiologie, 1 semestre d'hématobiologie, 1 semestre de biochimie, 1 semestre d'immunologie. En ce qui concerne les terrains de stage pour les stages obligatoires de parasito, vous avez 4 laboratoires de parasito sur Tunis. Donc, 1 labo de parasito à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, 1 labo au CHU La Rapta, 1 laboratoire de parasito au Tunis, 1 labo de parasito sur Sousse, CHU Farhat Hachet, laboratoire polyvalent au CHU Fatouma Bourguiba Monastir, et finalement, c'est le labo de parasito au CHU Habib Bourguiba de Sfax. Donc, en ce qui concerne les formations, c'est les journées de collège qui sont en commun avec d'autres spécialités telles que les maladies infectieuses et la microbiologie, comme a été bien détaillé avec Dr Hela Haneshi. Donc, ce sont des journées qui sont fréquentes en présentiel et en ligne. Nous avons aussi des CEC, donc, et je vais citer en premier lieu, c'est le DU de médecine de voyage à Tunis, CEC de biologie médicale, donc c'est à deux facultés, il y a le CEC de Sousse et le CEC de Tunis, CEC qualité et le CEC de mycologie qui est spécialisé pour la parasito, c'est ASFAX, le CEC de mycologie. Donc, bienvenue aux futurs résidents. Je les encourage vivement à choisir notre spécialité, qu'on aime beaucoup. Et donc, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. La recherche femme en parasito? Oui, bien sûr. La recherche, elle est toujours ouverte pour... en ce qui concerne des masters de recherche, oui, elle est ouverte pour les résidents et même pour les hospitalo-universitaires. Oui, il y a des laboratoires qui sont couplés à un labo de recherche, qui ont un budget pour la recherche. Donc, c'est ouvert. D'accord. Oui. Alors, en tant que parasito, est-ce qu'on peut faire des consultations de médecine de voyage? Des consultations de médecine de voyage. Un résident en biologie, option parasito, il fait les consultations. Non, je pense pas. Qui est un senior, qui est un senior. Non, on n'est pas apte à faire les consultations et même à faire des prescriptions de. Normalement, non. On valide les résultats biologiques, mais on ne fait pas de consultation. On peut aider, on est à donner des conseils aux voyageurs, mais. Qui gère le laboratoire pour faire un prélèvement. Tu peux l'aider, l'orienter, mais tu ne peux pas prescrire. Est-ce qu'il y a un texte de loi qui interdit la prescription? À la base, là, on reste des médecins. Là. Oui, des médecins biologistes, je pense. Ah, et Dr Bouchak, elle va intervenir. Mm-hmm. Oui, Dr Bouchak. Khater Bassala, on a fait l'hémato, il y a de l'hématobio qui peut faire une consultation spécialisée. Donc, c'est juste avec ma question.
Oui, tu parles, docteur Bouchakoua. Attends, je pense que tu as le micro. Elle n'a pas pu intervenir. Peut-être le micro m'attache. Mais stage à l'étranger, femme a des options de stage à l'étranger, femme a des particularités. Oui, c'est comme pour les autres spécialités de biologie. La parasito, c'est comme pour les autres. Les stages à l'étranger sont ouverts. Il n'y a pas de problème pour les stages à l'étranger, comme toutes les autres spécialités de biologie. D'accord, très bien. Elle se rapproche beaucoup de la microbiota, la parasito. D'ailleurs, je pense, Thomas Surleuf, vous êtes dans le même collège. Hein? Oui, c'est le même collège avec les maladies infectieuses et la microbiologie, la viro et la bactério. Très bien. Donc, pour le système anglo-saxon, c'est la même spécialité. Oui. Parasito, infectieux, microbio. Oui. Ce n'est pas comme le système francophone. Oui. Donc, si vous me parlez de les États-Unis, donc c'est autre chose, complètement. Voilà, la Grande-Bretagne, voilà, en Espagne, c'est pas la même chose du tout que le système francophone. C'est une même spécialité, c'est une spécialité clinique, d'ailleurs. Donc, le clinicien prescrit et technique en même temps. C'est pas la même chose du tout que le système francophone. D'accord. Donc, à la base, c'est un médecin, donc une casquette de biologie. Donc, il peut faire la consultation, il peut techniquer, il peut prescrire. Parfaitement. D'accord. Le système français, fait l'hémato, c'est pareil. Donc, voilà, en fait, le système de l'hémato, c'est pareil. Fait l'hémato, il y a des biologies, il y a des options biologie, où il peut prescrire. À la base, il y a le titre de médecin. Donc, il y a la notion qu'on va vérifier. Oui, le temps de connecter. Bonsoir, docteur Bouchard. Ahle bik, marhaba. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Permettez-moi d'intervenir. Je suis donc Mariam Bouchard, je suis parasitologue à l'hôpital Charles Nicolle. Je vais ajouter quelque chose par rapport à la parasito. Il y a une spécificité, c'est une spécialité, disons, qui est mixte. Donc, il y a un côté clinique qui est très important. Et on fait des consultations, par exemple, à l'hôpital Charles Nicolle, on fait des consultations par rapport aux parasitoses digestives résistantes au traitement habituel. Donc, ce sont les gastrologues qui nous envoient leurs patients. Et on fait toute une enquête par rapport à pourquoi ce patient-là donc, a résisté au traitement qui a été prescrit par les gastrologues. Et on fait des prescriptions de molécules. Mais c'est une prescription limitée. Donc, on ne va pas s'amuser à prescrire des traitements qu'on ne maîtrise pas. Hein. Pour une parasitose intestinale, on va prescrire des antiparasitaires, mais pas d'autres molécules. Ce n'est pas des molécules pour le diabète, etc. Mais on fait des consultations. On a aussi une consultation concernant la toxoplasmose maternofœtale, la consultation de la toxoplasmose congénitale. Pour la médecine de voyage, ailleurs en France, comme l'a dit Dr Haneshi, on fait des consultations de médecine tropicale. Et là, en Tunisie, à Tunis, puisqu'il y a ce CEC de médecine de voyage, pour ceux qui l'ont fait, donc ils sont aptes de donner des conseils aux voyageurs, mais par rapport aux prescriptions, par exemple, en ce qui concerne la vaccination avant le faire de voyage, la prévention antipaludienne, etc., c'est à l'Institut Pasteur de Tunis où on s'occupe de tout ça. Mais ce n'est pas vraiment une spécialité biologique pure et dure, on n'a pas affaire juste avec des prélèvements, mais avec des patients, avec une histoire clinique, on refait l'examen clinique au laboratoire, etc. Donc, c'est juste par rapport à la question qui a été posée. Merci. Ça veut dire qu'à la base, on reste des cliniciens. Tant que ta casquette de médecin, donc, quand tu arrives à percer. Voilà, tout à fait. Et telle une voie en biologie, tu peux prescrire sur un truc spécialisé en ayant une formation. En tant que biologiste, je crois que tu ne le prescris pas. Je traite un diabète qui m'a dit le docteur Bouchakoua, voilà, je traite autre chose, mais qui t'aime de la j'étais dans la spécialité, j'ai l'autorisation de prescrire à la base, tu es médecin. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, tout à fait. Très bien.
Docteur Marjouf, on a une question qu'on a zappée tout à l'heure. On a demandé combien ça coûte l'ouverture d'un laboratoire et est-ce qu'il y a une liste d'attente? Donc, ça, c'est pour le privé. بالعاني ما بيش نجاوب عليه الحقيقة جنسة بقى. C'est autour de 400 000 dinars normalement. Voilà. Est-ce qu'il y a une liste d'attente comme les pharmaciens Non, non, il n'y a pas de liste d'attente. Voilà. C'est comme un cabinet en fait. Et pas de numerus clausus. Mais Bachar, moi je vous dis, il m'a privé là où. Les femmes, les pharmaciens et les médecins. Là. Hey, voilà, comme partout. C'est pas comme Brabi. Les cardiologues, voilà, comme les cardiologues. Oui. Une question, Brabi, docteur Haneshi. En fait, Khatrabi Krismat, qui est à la formation, tu as des médecins et des pharmaciens. Oui. La question qui se pose, en fait, quelle est la différence entre la formation d'un médecin qui va devenir par la suite un microbiologiste ou la formation d'un pharmacien qui va devenir c'est la même formation en fin de compte. Ben, c'est la même formation, ce sont les EPU obligatoires. Donc ils font une formation complémentaire les médecins. Mais après donc ça aboutit à la même chose, c'est le même produit, c'est un biologiste polyvalent, spécialisé en microbiologie, voilà. Puis spécialité wahda akhra ma'ani. Huma ma ya3mouch service civil ou ibhin am. Sont avantagés. Hey, huma en fait enti ki tadkhal résident en biologie men l'awwal, tu es un peu déstabilisé khatak jay men cursus médical, عندك un background médical. Mata honnêtement, nahna l'am loulini, on est déstabilisé khatak qarak avec des techniques, hajet makch hazer alihom, li huma mathalan ybdaw qarinhom khatak pendant les 5 ans de pharmacie ntahom, ils font beaucoup de techniques. Mais au bout de 2 ans, croyez-moi, on arrive au même de 2 ans, 3 ans, nakhatou au même pied d'égalité. Et à ce moment-là, moi, je pense, mais c'est un avis très, très personnel, que le background médical interne est khali que tu te débrouilles bien. Tu es toi, le plateau technique, la technicité, pour mieux explorer. Et le réflexe de médecin interne, les connaissances médicales, donc, du coup, on est. Exactement, tu es favorisé, tu sais gérer, tu sais. Mieux explorer, c'est des notions théoriques. Le background médical est à l'aise pour les prescriptions, pour les indications. Ou le dialogue avec le clinicien, il ressent la différence, si on peut dire. Tu comprends, tu analyses, tu es au carrefour des spécialités. Il reste la différence après. Hey, tu peux négocier d'égal à égal avec ton confrère médecin. À la base, on est tous les deux médecins. Donc après, manager, je ne sais pas si tu as dit que la pathologie de base. Plus, tu as un atout majeur, la technicité, les explorations biologiques. Ou toi, les sadkouni, tu as fait une fois que tu as fait le côté laboratoire. Combien de choses tu as fait pour les douches? Quoique, on a atteint les renseignements cliniques, il faut donner les antécédents. Mais tu fais un premier, tu es dans le laboratoire, tu as fait les alams et que il faut que tu aies les renseignements cliniques. Tu peux orienter le médecin ou t'aouno pour raccourcir la période pour faire le diagnostic ou elle va y aller complètement et de qu'un médecin les renseignements cliniques. Donc vraiment la communication elle est à l'aise, manette et on crée des climats de confiance et de collaboration étroite avec les cliniciens. Et que tu connais très bien les pathologies de base. Et c'est bien ça à toi de me faire le diagnostic ou tu as besoin de quelqu'un qui nous le masalène sur les matos, les nefes ou le haja. Mais quel moral on peut probablement malade n'tiak ou mais elle m'a rachet mais elle m'a halé sur des milliers nefes mais elle me fait bien. On peut le malade n'tiak quand on a des agglutinines froides, amène telle ou telle exploration. Donc, du coup, voilà, c'est un monde fascinant que notre biologie. Tu as deux casquettes, tu as juste de manière en brigade. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est fascinant, le fondamental. Hein. Ah oui, oui.
voilà, croyez-moi, le médecin m'a dit que je renseignement clinique. On a une batterie donc de techniques et d'automates. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y a un test de COMS direct, il y a un négatif. Alors que quand il y a un autre ADMI, il y a une lettre explicative, et on peut y aller. Je m'en attire le diagnostic sur un plateau. Il explore le malade, mais il y a certains signes cliniques, et on peut anticiper. Par rapport aux explorations, on a la main, comme des explorations, le clinicien, il dit, les tests, et a priori, le diagnostic. Et c'est fascinant. C'est fascinant comme spécialité. Avec le background médical mtiak, et puis vous avez un monde fascinant avec beaucoup de nouveautés qui méritent aux aides à taw le changement les virus je donne les radionutrilone avec le changement de comportement. Donc du coup voilà, c'est la biologie crée dans la période de pandémie معناتها فهمت اكثر spécialité خدمت bactériovirologie le clinical واخر بتويلي et le diagnostic a été fait par les biologistes. هكا ولا بدر. Oui. Oui, la place, le biologiste de façon générale, c'est une place incontournable. C'est une pierre angulaire, le process n'importe quel diagnostic. Si vous avez un excellent laboratoire derrière vous, vous arrivez rapidement au diagnostic. C'est incontournable, c'est quelque chose d'indispensable pour la pratique de la médecine. Voilà. Oui. يعني كاش باش يخدموا معناها وانا لي باشومي معناها وي 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 لا لا بالحق يبون باشومي يعني نقول لك دكتور محجوب si vous me permettez d'intervenir juste pour faire un petit témoignage en tant que résident en spécialité clinique je pense que vous vous rappelez des maintes fois où je suis venu à votre bureau pour demander votre aide pour des patients qui ont des motifs d'hospitalisation qui sont assez complexes, des patients qui ont vraiment des pathologies, des grands syndromes. Et en tant que clinicien, l'exploration entière. Et je vais souvent aux microbiologistes, aux parasitologues, aux labos d'hématobio pour fournir les renseignements cliniques et pour avoir un avis de biologiste pour orienter un peu mes explorations. Donc les psyam le biologie ma comme je bardo à la clinique je me la parce que vraiment les cliniciens et les biologistes sont en collaboration, sont en symbiose. Donc et personnellement presque une grande partie de mes patients quand je me nomme le diagnostic si je suis si j'ai pas fait la collaboration avec les biologistes soit hématobio parasito ou microbio. Donc, hata anapath et immuno aussi. Donc, vraiment, l'ipsham, le biologie, là, vous n'allez pas être bloqué dans les laboratoires, vous allez être dans la clinique avec un avantage de technicité. Donc, il faut penser aussi à cette perspective. Très bien. Merci, Rajah, pour ce témoignage. Donc, voilà, on restera ensemble. Alors, on va passer la parole donc l'équipe de Pharmaco. Donc, on a l'immense plaisir d'avoir avec nous donc Dr Roselyne Larroy, qui représente donc l'équipe donc de Pharmaco. Alors bonjour, merci docteur Mahjoub de m'avoir invité à participer à ce forum. Je suis très honorée de représenter la pharmacologie comme spécialité. Donc c'est une spécialité également qui est à cheval entre la clinique parce qu'on a une activité de consultation et une activité laboratoire. Pour le cursus, donc le résidanat, c'est 4 ans avec 6 semestres dans la spécialité de pharmacologie, 1 semestre de stage complémentaire obligatoire dans une spécialité médicale clinique. Donc ça peut être la dermato, l'infectieux, la médecine interne, la psychiatrie, la neurologie, n'importe quelle spécialité médicale, et 1 semestre de stage optionnel
génétique, immunologie, microbio, médecine préventive et communautaire, ou bien dans une structure qui contrôle par exemple les médicaments comme le Laboratoire national de contrôle. Donc, on a 6 semestres dans la spécialité et 2 semestres, un semestre clinique et un semestre stage optionnel. Ça, c'est pour le cursus. Pour les CEC, alors il y a 2 CEC sur Tunis. Il y a le CEC de neuropsychopharmacologie à la FMT. Il y a un autre sur les essais cliniques, les études cliniques. Et il y a un CEC à Monastir qui s'appelle pharmacologie et marketing pharmaceutique, qu'on a tous fait pratiquement aussi. On recommande aussi aux résidents de pharmacologie de faire le CEC de statistique. Sinon, on a une unité de recherche et un laboratoire de recherche. Pour les perspectives, donc actuellement, on a bien sûr notre consultation qui s'occupe causality assessment. Maintenant, on va faire l'imputabilité des médicaments quand il y a des effets indésirables. On a aussi une activité de tératovigilance. On va conseiller les femmes enceintes qui ont pris des médicaments. De vaccinovigilance, on surveille aussi les effets indésirables des vaccins. On a eu un boom de notre activité avec la commercialisation des vaccins anti-COVID-19 à cause de ce qu'on appelle la vaccine hesitancy. Donc, c'était des personnes qui émettaient des réserves à se faire vacciner et qui venaient nous voir. Ça c'est pour la consultation. Pour le laboratoire, donc on fait le dosage de médicaments, généralement ceux qui ont un coefficient chimiothérapeutique étroit ou des médicaments qui ont une grande variabilité interindividuelle. Sinon, on a ouvert actuellement un laboratoire de pharmacogénétique. Donc, on a fait aussi du séquençage du COVID-19. On a aussi des projets dans la pharmacogénétique. On a également très récemment ouvert une unité de bioéquivalence où on va faire des études de bioéquivalence pour comparer générique et princeps. Sinon, on fait aussi des études de pharmaco-épidémio. Donc, la pharmacologie en tant que spécialité, elle a beaucoup de sous-spécialités qui sont à développer. Voilà. Pour le privé, généralement, on a deux personnes qui ont rejoint le privé. C'est dans les laboratoires pharmaceutiques. C'est pas pour ouvrir son propre laboratoire. Donc, c'est des personnes qui travaillent dans les laboratoires pharmaceutiques dans le cadre de la pharmacovigilance des laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, on va avoir bientôt la sortie des Arab Guidelines pour la pharmacovigilance où chaque laboratoire pharmaceutique doit avoir une personne qui s'occupe de la pharmacovigilance au sein de son laboratoire en Tunisie. Je ne sais pas si vous avez des questions concernant la pharmacologie. Les terrains de stage, docteur Roselyne. Alors, FAMA, bien sûr, sur Tunis, FAMA, le Centre national de pharmacovigilance, donc soit la consultation, soit au niveau du laboratoire. Pour les stages cliniques, c'est au choix du résident. Pour les stages optionnels également, donc dans l'un des hôpitaux sur Tunis. Sinon, on a aussi… à Monastir, à Sousse et à Sfax. Et généralement, les résidents, ils font le tour au niveau des régions. Ils vont à Sousse, à Monastir et à Sfax, au moins un stage de pharmacologie Radica ou Fitouns. Pour les cours, juste pour les rappeler, nous, à la formation théorique. On a un collège pour la pharmacologie. On se réunit à peu près une fois tous les 2 mois, on va dire. C'est les résidents et les seniors qui présentent. On a les deux à la fois avec un programme préétabli.
Donc ça, c'est pour la formation continue. Sinon, dans les terrains de stage aussi, on essaye de faire des présentations qui sont faites par les résidents. A priori, donc voilà, pour le moment, il n'y a pas de questions. Quand ذكروك بقى مزات بحدينا. Hey, je reste avec vous. Ok. Ok, merci. Donc, on passe la parole à l'équipe des Mino. Donc, docteur Imen Zamel, معنا. Imen. Oui, bonsoir. Bonsoir. Hi. نعمل les Mino ولا ما نعملش Imen؟ Évidemment. Alors, je vais vous parler un peu de cette sous-spécialité, sous-spécialité biologique. Bon, le principe, c'est le même que toutes les autres sous-spécialités. En fait, un résident qui va choisir le cursus de biologie médicale, il pourra soit sortir dans le privé et s'installer en ouvrant son propre laboratoire d'analyse médicale. Et là, il restera polyvalent dans l'absolu. Sinon, il pourra faire une carrière à CHU et auquel cas, il va s'approfondir dans la sous-spécialité qu'il aura choisie au début. Donc, pour l'immuno, le principe est, comme je l'ai déjà dit, un peu le même. Donc, en fait, on a deux années où on va faire différents terrains de stage. Et à Maqsouma, en fait, on quatre sous-spécialités. On essaye de faire un peu les quatre au cours du passage. On a de l'auto-immunité, tout ce qui est exploration des maladies auto-immunes. On a une PAYAS aussi, on fait l'exploration des gammapathies monoclonales. On fait maintenant Bacha de l'exploration en neuro-immuno. On a développé ce volet les dernières années. On fait aussi tout ce qui est exploration du système HLA entre greffes et dans d'autres indications thérapeutiques. Il y a aussi un laboratoire qui s'occupe spécialement de l'exploration des déficits immunitaires. Et là, ils seront plus en communication avec les pédiatres, avec les autres sous-spécialités un peu moins, mais c'est vraiment très poussé pour ce qui est exploration des déficits immunitaires. Là, ils passent même en NGS, qui est une technique toute récente. Donc, on est assez up-to-date, disons. Donc, on fait aussi bien de la clinique, on fait aussi beaucoup de recherches, et ça, je trouve ça vraiment très passionnant. C'est le cas aussi pour toutes les autres spécialités biologiques, je pense. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Dites-moi s'il y a des questions, s'il y a des... Le terrain de stage, oui, pour l'immuno. Alors, ce qui est bien pour l'immuno, c'est que les terrains de stage sont sur toute la Tunisie et que, par exemple, les gens de Sfax n'ont pas besoin de se déplacer à Tunis pour voir toutes les sous-spécialités parce que c'est assez développé, aussi bien dans le sud que dans le centre. Que Connor, les résidents de Tunis restent à Tunis. L'Ukhrine, c'est vraiment à leur convenance parce qu'ils peuvent voir toutes les sous-spécialités là où ils sont. D'accord. Comme formation, comme cours. Alors, comme formation, je pense que c'est pareil. On a les enseignements post-universitaires qu'on fait au sein de la faculté. On a les cours du collège qu'on fait de façon cyclique pour chaque groupe de résidents. Et là aussi, on fait participer aussi bien nos résidents que les seniors. Et on a le CEC de biologie clinique auquel on participe tous, je pense. Nous avons aussi un CEC d'immunothérapie qui se fait à Monastir. Nous avons aussi un autre CEC qui se fait à Sousse pour tout ce qui est biologie clinique, enfin polyvalent. Et on participe aussi au CEC de Calito, même si pour ce qui est immuno, c'est encore un peu à la traîne. Mais on essaye de standardiser un peu partout ce qui se passe. Alors, pour ce qui est stage à l'étranger, la possibilité existe, bien évidemment, aussi bien pour les postes de DFMS que pour le concours d'équivalence. D'ailleurs, nous avons notre candidate qui a réussi cette année le concours. Et pour la carrière HU, comme je l'ai déjà dit, donc, Mach Bébicom,
On a toujours besoin de bras pour faire avancer les choses, donc c'est assez ouvert. Et là, je vais vous parler d'une expérience personnelle. Quand j'ai choisi la sous-spécialité au début, les premiers mois, Habit Mbadel carrément. Parce que, en fait, le passage de la clinique à la biologie était assez déstabilisant, disons. On barre, heureusement, elle y rate, parce que là, franchement, je me vois pas autrement. Et surtout parce que, au final, le lien avec la clinique, je trouve qu'il est renforcé. Je trouve que l'apport du biologiste, justement, qui m'a connu à Nahkiyoukbila, il est vraiment central parce que il peut faire avancer la prise en charge, il peut vraiment orienter le clinicien. On a une belle collaboration aussi bien avec les internistes, les neurologues, les gastrologues, enfin un peu toutes les sous-spécialités l'okhrina, et c'est vraiment très passionnant. Particularité d'un stage pasteur, comme à l'école pasteur, un truc très particulier, Radi, non? C'est-à-dire, on a belle chose particulière. On a en fait des cours qu'on fait à l'échelle de l'institut. On a une collaboration aussi qu'on fait avec les réseaux pasteurs, donc il y a la possibilité de partir à l'étranger et faire les cours Pasteur Paris. Michel déjà une résidente marana. Alors, enfin, la recherche aussi, elle est assez développée, donc du coup, on fait participer nos résidents à l'activité de recherche, on les fait participer au séminaire de labo. D'ailleurs, récemment, on a notre résident qui a gagné un prix de 500 euros puis une manifestation parce qu'il avait présenté un travail de recherche qui était très intéressant. Bref, donc voilà. Meilleur coach qui m'a calé là, ils auront vraiment plein de choses à faire en biologie. Et voilà, je les encourage vivement à venir me rejoindre, quoi. Il y a de la vitesse dans l'immunologie, je confirme. Comment ? Il y a de la vitesse, il y a de l'action dans l'immunologie. Ah oui, ça boule. En tant que néphrologue, on travaille beaucoup avec l'immunologie et on est en contact pratiquement, il y a tous les jours un contact quotidien entre service ou consultation de néphro et le service immuno. Et là, particulièrement, on travaille beaucoup avec le service d'immunologie de l'hôpital de la Rabta, que je le salue énormément, parce que en 6 heures, ils peuvent vous faire le diagnostic d'une vascularite. La vascularite qui constitue, dans certaines situations, une urgence vitale. Une urgence. Sans parler de la place incontournable de l'immunologue dans la transplantation rénale. Donc, et là, je salue aussi l'équipe de l'hôpital. Travail extraordinaire dans la greffe et dans la promotion de la greffe d'organes en Tunisie. Donc, je confirme, l'immunologie, c'est une spécialité où on travaille avec tout le monde, où il y a de l'action tous les jours. Tout à fait. Ou la biologie مرتاحه معناتها باش تمشي تخدم الصباح وتروح وحس با فري معناتها ça nous arrive باش نقعدوا صباح وعشيه. Hommage et remerciements les équipes qui travaillent à la greffe cœur ou à la greffe rein un candidat à une greffe, c'est ça comme toutes les autres, comme les spécialités chirurgicales, les GIO, je vais faire les tests pour dire oui, c'est ok, c'est compatible ou non compatible. Tout à fait. Donc, C'est très glorifiant quand même, Fatimat. Voilà. C'est pas matin. Quand ça me choque, on est comme quand tu mènes mais c'est déstabilisant la question chez les biologistes. Voilà, c'est très sûr qu'à 180 degrés, et quand ça me choque, on est comme quand je suis en mal, fait rouge, malade. T'as pas compris? Quand Narja ou je suis allé mal, touche bien, il voulait créer une colite ou une chaise, mais il nous faut que l'âme l'ouvre. Le temps que tu prends tes repères, tu dois, tu acquiers l'expérience, nos collègues l'ochrine, pendant 5 ans, ils ont la technicité, tu prends ton bagage, et puis tu renforces, et tu peux développer, ou tu arrives avec en force, ou tu arrives à tes repères, ou tu arrives le contact avec les autres collègues médecins, des discussions, des staffs collaboratifs, où on retrouve de très beaux résultats. Tout à fait. On passe à la NAPAT. Donc, bonsoir. Marhaba, docteur Ghada. Bonsoir, docteur Mahjoub. Alors, je suis docteur Sahrabi Ghada, assistante hospitalière universitaire à l'Institut Salah Azaïs.
Donc, je félicite tout d'abord les nouveaux résidents et je les invite à bien saisir cette occasion de la forum pour faire le bon choix, chacun selon ses attentes et ses ambitions. Donc, pour ma spécialité, l'ENAPAD, donc c'est une spécialité fondamentale de 4 ans, 8 semestres, donc 8 stages obligatoires, où on peut faire au choix 7 stages obligatoires et un stage optionnel. Les terrains de stage sont à Tunis, hôpital La Rabta, hôpital Charles-Nicolle, l'Institut Saint-Hazaïs, hôpital Habib Semer, hôpital militaire, l'Ariana, la Marsa. Donc, on a un service donc à Naboul, à Sousse, deux services à Sousse, à Monastir, à Sfax et donc à Gavis. Donc, pour les résidents, on a les cours du collège, 1 à 2 cours par mois. Donc, on consacre la matinée pour l'enseignement théorique, donc par les enseignants, les assistants, les agrégés. Et l'après-midi, donc, on fait donc un enseignement pratique, des ateliers et des histoséminaires. Donc, où on manipule les microscopes et les lames et c'est aux résidents de deviner les diagnostics avec la correction. Donc, sinon, on a les webinaires qui s'organisent de plus en plus fréquemment organisés par l'Association tunisienne d'anatomie et cytologie pathologique, où on invite des experts étrangers et on leur donne la parole pour dans une sous-spécialité ou pour une pathologie particulière. Pour le travail au sein d'un laboratoire d'ANAPAD, donc le travail est partagé entre examen macroscopique et examen microscopique. Pour l'examen macroscopique, donc on a une salle de macroscopie où on dissèque, on examine des pièces qui nous parviennent fixées au formol. Donc le clinicien, le chirurgien, le gastrologue, une fois il a prélevé donc le prélèvement biopsique ou la pièce opératoire, il la fixe dans du formol pour la conserver, pour inhiber le processus de et nous, on a donc affaire à cette pièce donc fixée. Donc, les premiers jours, disons, les premiers mois, le résident va se sentir un peu mal à l'aise suite. Il a envie de dormir, il a beaucoup faim. Pourquoi? Parce que c'est l'effet du formol, en fait. Bon, donc, on manipule le formol dans une table de macroscopie qui aspire normalement le formol, mais bien sûr au début on est un peu gêné par cette sensation de manipuler le formol. Donc c'est l'examen macroscopique, on fait la dissection et on prend les prélèvements qui vont être techniqués et pour aboutir à des lames histologiques, et on fait l'examen microscopique donc au microscope optique. Sinon ça bouge vraiment dans le domaine de la recherche. On a introduit récemment, surtout dans notre laboratoire, donc à l'Institut Saint-Hazaïs, des plateaux techniques de biologie moléculaire. On fait maintenant la recherche des mutations RAS dans les cancers colorectaux, les mutations POL dans le cancer de l'endomètre, on recherche les mutations MSI dans l'endomètre et les cancers gynécologiques. Donc, sinon, pour le domaine hospitalo-universitaire, c'est un domaine qui ouvre bien ses bras pour les anapathes. Et pour le privé, on a le choix d'ouvrir son labo privé ou de travailler en collaboration avec d'autres médecins en privé dans un laboratoire commun. Donc, c'est globalement tout ce que j'ai à vous dire et je vous invite à me demander si vous avez des questions. Je suis ouverte à vos questions. Est-ce qu'il y a des CEC? Bien sûr, donc il y a des CEC. Les CEC, disons, obligatoires qu'on doit faire en ANAPAD, c'est les CEC de pathologie tumorale, comme la sténologie, la pathologie tumorale digestive. Sinon, il y a les CEC pour toutes les spécialités, hein, le CEC de pédagogie et le CEC de méthodologie. À part ça, on n'a pas de CEC vraiment obligatoire à faire pour finaliser le cursus d'ANAPAD. C'est l'expérience, en fait, c'est en s'exerçant qu'on apprend les lames. Voilà. Vraiment, un bon anapath doit consacrer beaucoup de temps sur le microscope. D'accord, très bien. Oui, je trouve qu'il y a d'autres questions. Voilà.
Oui, donc je vais essayer de finir. On a la dernière spécialité. On n'a pas pu joindre donc Dr Inès Safra, donc l'hématobiologie. Après, je pense que je n'ai la parole. Je vais démarrer avec Eya. Eya, tu es là? Docteur Anen. Bonjour. Akina, l'hématobio. Donc, je me présente, Ena Anen, résidente première année en hématologie biologique. Je souhaite cette spécialité à la c'est une spécialité très riche. Donc, déjà, c'est une sous-spécialité de biologie médicale et l'alcool, où Fiwost a déjà formé d'autres sous-spécialités, qui m'ont l'immuno-hémato, l'hémostase et la cytologie. En fait, donc, la cytologie, le premier pas, c'est l'NFS, jusqu'à lire les frottis sanguins et la moelle osseuse. Parmi donc les diaphylbias de la cytologie, FAMAPS, d'hémostase, donc les RACs auront toutes les pathologies de la coagulation, ou les tests de routine, KIMATP, TCA, fibrinogène, hâte le dosage des facteurs. Et bias de l'immunohémato, c'est surtout les groupes sanguins, toutes les réactions anticorps antigènes, les RAI, donc c'est très varié, c'est très riche. Les questions. Voilà, en fait, il y en a quatre sous-spécialités. En fait, on connaît la biologie, la grande famille de biologie. La sous-spécialité, l'option hématobio. Donc, le cursus, c'est l'amine hématobio, d'accord? Et l'amine, l'optionnel, donc, c'est le microbio, le biochimie, le parasito, l'immuno, donc, pour être complet, je n'ai jamais dit. L'hématobio, il y a quatre sous-spécialités, dans le sens on a l'immuno-hémato, on a l'hémostase, on a la cytologie, ou on a la quatrième axe, c'est-à-dire les banques de sang. On peut être spécialisé dans le domaine transfusion et banque de sang et être habilité à travailler dans une banque de sang. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup de collaborations avec les cliniciens, et on peut faire la consultation, donc il y a une consultation spécialisée pour tout ce qui est les pathologies hémorragiques. Il y a Dr Guider qui voit les malades qui sont porteurs de maladies hémorragiques. Et il y a de la prescription, parce qu'à la base, je vous rappelle qu'on est des médecins. En fait, ce n'est pas très commun, mais on est autorisé sur un certain volet strict. Ceux qui font de l'hémostase, ils ont le droit de prescrire. Comme l'immunohémato avec tout ce qui est exploration des anémies. Il y a la cytologie où on fait le diagnostic de toutes les anomalies puisqu'on a les automates d'NFS de tous les jours. Pour la formation, il y a le CEC de biologie clinique et ça c'est un pas géant. Elle est en fait Aulani Tralfitouns. Et d'ailleurs, la liste d'attente tous les biologistes qui aiment lire, ils vont vous former sur le plan théorique et sur le plan pratique. Donc toute la spécialité. Donc avec les terrains de stage interne, avec vous avez vu tous les collègues des formations sur des cas pratiques, des EPU. Femme les TCOM, vous êtes amené à savoir chez les Berhaf. Enfin, vous n'étiez pas connecté. La formation transversale, elle est liée à la base qui nous permet de nous connecter avec les autres spécialités. D'accord? Quand on se connecte, le principe de la formation TCOM, qui vient de la maladie thromboembolique, j'ai l'hémato, par exemple, l'hémato bio, l'immunologiste, mais je fais c'est la partie physiopathe, donc ça rappelle la partie. Et puis, il y a un clinicien et un biologiste, l'intérêt. Donc, ça nous permet de faire le lien par rapport à les cliniques les premières années, avec le plus, la barre de résidence. Donc, on a fait un CEC de biologie, donc avec un. Je pense qu'il va devenir presque obligatoire, Maleta. Vraiment, ça vous permet d'être à l'aise dans votre spécialité. Sinon, Fama qualité, donc avec vivement, on vous conseille de le faire, donc le CEC de qualité. Fama, le CEC de statistique, c'est quelque chose de transversal. Il y a tous les paramètres pour pouvoir mieux extraire les données, tenir des bases de données énormes, donc mieux les exploiter. Et puis, il y a le CEC donc, de médecine transfusionnelle, kif al Khaljdi. Donc, vous voyez que vous êtes gâtés. Non seulement vous avez des terrains de stage qui sont assez riches avec des divers seniors, mais vous avez l'avantage d'avoir des formations théoriques assez solides.
qui vous donne un bagage pour votre cursus sur les 4 années. D'accord. Donc là où tu es en biologie, mais je vais le faire. C'est pas du tout ça. Alors enfin ma bâche, خدمة, c'est passionnant. رانا ساعات نروحوا بعد الكلينيسيان معناتها كي تبدا عندك ان كا اللي تخدم عليه ولا ان دياغنوستيك ولا يجيبوا لك باغ اكزومبل ان كا دانيميا 4 غرام ولا يعطوك ان بيلون ديموستاز ماكش باش تروح تقول باش نرجع لك انا غدوه فهمتني دونك سي اسي امبريفيزيبل سي فريمون باسيونون داكور فوالا سو كو جي ا فو دير دونك مقال سي جوين البارح اللي تي دونك سيغ افيك نو دونك سيغ لا بروميير بارتي Elle aime la biologie, on l'encourage. On est toutes là donc, pour vous encourager à faire la biologie. Ou elle est trop là, en fait. Donc, elle est assez passionnante et on collabore énormément avec les cliniciens main dans la main. Voilà, donc j'espère qu'on a fait le tour. Elle est bien. Mais, Donc, comme la page la foire spécialité, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les mettre. On peut les envoyer donc, aux différents spécialistes de CGO. Et je pense, je vous laisse la parole. Donc, les filles, on va défiler. Une dernière parole. Alors, Parasito? Docteur Latif? Je pense qu'ils ne sont pas connectés. Oui, docteur Badr. Mania, je peux intervenir si vous voulez. Oui, tu parles. Donc, je vous conseille vivement de prendre la pharmacologie comme spécialité. Il y a beaucoup de perspectives, au fait. On a beaucoup d'axes qui sont en train d'être développés. Et vous avez vu rien que au cours de la pandémie l'essor de la pharmacovigilance d'abord de point de vue surveillance des effets indésirables une pharmacovigilance active mais il y a aussi les autres axes qui m'apportent comme laboratoire bioéquivalence pharmacogénétique etc. Donc voilà choisissez la pharmacologie marhaba biko. Voilà. Très bien. Donc, on a fait le tour. Merci aux différentes oratrices qui ont représenté donc, leurs spécialités respectives. Et on vous souhaite bonne chance pour ceux et celles qui vont choisir la biologie. Et voilà, on va se connecter donc, pour les autres soirées. Donc, on va défiler les autres spécialités pour essayer donc, de vous aider à prendre votre décision. Inch'Allah, bétanfir. Et bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée.